Hello les amis, c'est Super Rick, bienvenue dans cet épisode numéro 28 de Vie ma vie de panda. Donc épisode que je sors un peu plus tard que d'habitude, ça sort le vendredi. Mais ce que je vais faire, c'est que je vais décaler d'un jour les amis, donc ce sera désormais le samedi, l'épisode de Vie ma vie de panda. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous allons faire? Alors je suis allé faire ma petite quête, souvenez-vous. Donc au sanctuaire du buffle, ce qui va me donner de l'XP supérieur, voilà, une XP augmentée de 50%. Donc ça c'est pas mal, c'est pas dégueulasse. J'en ai profité pour manger un petit truc. Et donc là on va aller quêter tout simplement. On va aller quêter dans le bois de la pénombre, qui est le niveau le plus adapté à notre level actuel. Donc oui, je vous disais, pour les numéros, je vais en fait produire deux numéros de Vie ma vie de panda, deux numéros par semaine, donc c'est pas mal. Donc ce sera en général le mercredi et le samedi, voilà, mercredi et samedi, deux fois par semaine. Donc je vous rappelle que j'ai créé une guilde sur ce serveur Archimonde et donc je recrute. Hein. Donc si ça vous intéresse, ben voilà, faites-vous un personnage côté Alliance. Alors que je vois une quête là-bas réalisée. Faites-vous un personnage côté Alliance. Et rejoignez-moi sur la Big Bros Guild, ça s'appelle. Sur Archimonde. Allez, la lumière, c'est parti. Alors regardons les quêtes qu'on a sur la map. On a déjà quand même 2-3 trucs à faire. Là il faut faire quoi? Trouver qui occupe la tour du repère des mendiants. On va peut-être commencer effectivement par un mot là. Alors, depuis la dernière fois, je sais pas si j'avais des montures. En fait, je me suis rendu compte que les montures sont liées au compte, ce qui fait que j'ai toutes les montures de mon compte. Enfin, c'est énorme le nombre de montures que j'ai. C'est assez impressionnant. Donc, tant mieux, j'ai envie de dire. Mais là, je me suis acheté une tortue pour être roleplay, puisqu'apparemment c'est la monture ben voilà, qu'on peut acheter au niveau 20. Bonjour. On se voit plus tard. C'est tout. Comment allez-vous? À sombre comté. Ok. On va... C'est ça qui est génial, on n'aura même pas besoin de descendre de notre monture. On lui a parlé, on repart, on va parler un personnage. À sombre comté. Donc voilà, donc j'espère les amis que vous allez bien. Moi je me remets tout doucement d'une espèce de rhino pharyngite angine. Enfin, je sais pas exactement ce que j'ai chopé, mais c'était assez long de s'en guérir. Voilà. Alors apparemment, elle est un peu plus beau. Elle doit être à côté du... Ah non, elle est dans la maison. Elle est dans la maison. Ok. La voilà. Vous avez besoin de quelque chose? Ok. Apporter le peigne spectral à Marie l'aveugle. Ok. Ah, mon inventaire est plein. Et bien voilà, je vais vous montrer. Regardez, une monture que j'avais. Ah, c'est génial ça. C'est l'éléphant de voyage là. Alors le gros avantage, c'est qu'il a un commerçant pour vendre et acheter des trucs, et un pour réparer le matos. C'est pas mal. Donc là, pour le coup, on va vendre ce qu'on a en trop. Est-ce que c'est lié ça? Non, c'est... Oui, c'est lié, donc je peux le vendre.
peux le vendre parce que c'est pas bon pour moi. Ensuite, qu'est-ce que je peux vendre? Tac tac tac. Ce bâton il est lié aussi. C'est pas bon pour moi. Et alors on demeure là. Ah, je voudrais peut-être me faire de la bouffe parce que je commence à avoir de. Deux, trois trucs. Alors on va se faire de la bouffe. Puissent vos jours être longs. Et vos difficultés passagères. Ok. Donc je disais, on va se faire de la bouffe. Un petit feu. Et on va voir ce qu'on peut se cuisiner. Kebab de loup assaisonné. Mais ça c'est génial. Ça nous donne 6 à l'endurance et à l'esprit. C'est-à-dire 12 à l'endurance. Donc on va y aller. Voilà, donc on s'est débarrassé déjà d'un truc. Est-ce qu'il y a d'autres trucs? Ouais. Ça, je suis pas sûr que ce soit génial, mais bon. 4, donc 8. Kebab. On va peut-être les vendre aussi. Hein. Bon, les œufs aux herbes, je les fais pas parce que ça se vend plus tard les œufs. Ça, je vais le faire pour le vendre de suite après. Ok. Donc, ouais, je vous rappelle que comme on a la compétence cuisine, on a une compétence spéciale liée à la cuisine. Qui nous donne beaucoup plus, ben, le double de. Un plaisir de vous rencontrer. Adieu. Le double des capacités de. Quand on est bien nourri, donc c'est quand même pas mal. Alors, on a encore une quête à récupérer. Ah ben c'est là aussi toujours. Non, c'est là. De ce côté. Voilà, comme ça on récupère les quêtes. Alors, on va faire peut-être pas toutes aujourd'hui, hein, les amis, mais. Comme ça, on n'aura pas à y revenir. La lumière soit avec. Kebab de loup assaisonné, bah tiens, tu vois. Allez dans l'honneur. Pour l'Alliance. Ah, allez. Alors. Ouais. Pas beaucoup plus de place finalement avec tout ça. Ok, donc quelqu'un m'a signalé très gentiment que j'avais l'héritage de l'empereur, et c'est vrai que c'est pas mal, force, agilité, intelligence augmentée de 5, donc c'est vrai que c'est toujours bien de l'avoir avec soi. J'ai pris un tabard qui va me permettre d'augmenter la réputation des Touchy. Je sais pas si ça va être vraiment utile pour moi, on va voir. Allez, j'ai envie d'aller là-bas pour voir. J'ai envie d'aller là-bas. Il y a deux quêtes au même endroit. Non, c'est par là-bas que je voulais aller. Allez. Donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut tuer ouais, des horreurs pourrissantes. On va faire ça vite fait, bien fait. Toi? Non, c'est une veuve noire. Allez. Compétence, mais pas ça. Je n'ai pas de cible. Voilà, comme si j'avais pas assez de bordel déjà. Je suis passé à côté, on n'est rien, mais c'est là-bas. Allez!
on y va. Ça va, c'est niveau plus qu'abordable. Niveau vert. Je n'ai pas assez d'énergie. Il en faut 8 comme ça. On va se rapprocher de la cabane où apparemment on va pouvoir parler à l'autre là. Comme ça on fera d'une. On fera une quête. Deux quêtes d'un coup, je veux dire. Allez. Je suis hors de portée. Allez, rapprochons-nous de la cabane. Voilà. On prend un kick. J'ai besoin d'une cible. L'aveugle. Ok. Voilà, ça fait deux quêtes. Hein. Allez. On y va. Donc, il faut en tuer encore quelques-unes, je pense. Horreur. C'est trop loin. Horreur machin là. Allez. Je dois d'abord choisir une cible. Voilà. Et puis apparemment il y a un boss à tuer par là. Ok. Voilà. Sept. Et voilà. Donc là, théoriquement, on est bon. Ben, qu'est-ce qu'on fait? On va. Allez, on va chercher le miroir de Marie. On finira sur ça. C'est parti. Je pense que ça va être un peu plus compliqué. Un peu plus compliqué. Niveau 21, non, ça va. 22. Je dois me rapprocher. Allez. Donc ça va être le boss qu'il y a dedans, je pense. On voit un petit crâne là sur la map. Petite quête tranquille. Ah ouais, l'autre il va le buter. J'ai besoin là. D'une cible. L'autre il va le buter. Je ne peux rien porter de plus. Voilà, il va faire de la cueillette. Pendant ce temps, je vais tuer le vilain. Voilà. Allez. Je ne peux pas. Je suis hors de portée. Oh, c'est cool, en plus il vient m'aider. Voilà, génial. Mon inventaire est plein. Et oui, mon inventaire est plein. C'est comme c'est étrange.
Alors, qu'est-ce qu'on va pouvoir jeter ça? Ça donne pas de truc particulier. F94. Ok. Donc, du coup, bah écoutez, je vais me téléporter. Ah, mais non, j'allais dire, je vais me téléporter, mais. Bon, il faut que je rende les quêtes. Je ne peux rien Ah, porter. ouf, de la potion, ça je veux, ça. De la potion, ça je veux. Voilà, écoutez les amis, petite ellipse, hein, et je vous reprends tout à l'heure. Alors, les amis, heureux donc, eh bien écoutez, voilà, ça y est, je suis revenu au village, donc on va rendre les quêtes à Sombre Comté. Besoin d'aide? Allez, Prenez soin de vous. on en reprend d'autres au passage. Alors, il y en a une dans la maison là. Ok. Honneur au roi. Vous pourrez Prenez soin de choisir. vous. Ok. Petite roulade pour la dernière. Salutations. Et voilà. Que la journée soit bonne. Voilà, on est reparti avec un autre lot de quêtes. Donc on va aller dans la taverne pour se reposer. Déjà, on est comme ça, nous, on est des grands fatigués de nature. Hop, on s'assure une chaise. Et voilà, les amis. J'espère que cet épisode vous a plu. C'était Super Rico, en direct du bois de la pénombre. Si cet épisode vous a plu, je vous invite à mettre un petit pouce vert, les amis. N'oubliez pas de vous abonner si vous voulez être au courant de la sortie du prochain numéro. Je vous remercie et je vous dis à très bientôt. À ciao.